Bonsoir à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver de nouveau pour ce petit live sur Resident Evil 2, le remake. Donc, on va se taper une bonne part de flip, hein. On s'était laissé sur le hall principal, hein. C'est la seule zone où les zombies ne viennent pas. Donc en tout cas, pour ceux qui ont raté la première partie, n'hésitez pas à aller jeter un œil, hein. La vidéo est encore dispo sur la page Facebook ainsi que sur Twitch et sur YouTube. Donc voilà, donc comme ça au moins vous n'aurez pas d'excuses. Donc après, je ne serai trop tenté de vous dire que le jeu est quand même interdit au moins de 18 ans. Voilà, vu comment ça charque, tu m'étonnes. Donc n'hésitez pas, hein. Faites gaffe, il y a une alerte spoiler, etc. etc. Enfin, bon. Je vous la fais courte. Donc voilà. Donc allez, c'est parti. On balance. Et donc, nous revoilà dans la ville de Raccoon City, où on va aller se faire connaissance avec des amis. Hein. Ils ont un peu la dalle, je vous avoue. Donc voilà. En tout cas, coucou mon petit Nico. Hein. Allez. Bon, en tout cas, il n'y a pas photo, le jeu il claque. Hein. Claque vachement. Techniquement, le jeu est super beau. Continue notre campagne. C'était mis en facile, histoire d'être tranquille. Mais bon, après, les trophées, voilà quoi. Quand j'ai vu la gueule des trophées, franchement, pour avoir le platine, faire 15 000 pas dans le jeu, avec un plan. Comptez sur moi, 15 000 pas, c'est mort. Alors, donc on s'était laissé là, notre inventaire, donc on a quand même réussi à récupérer le fusil à pompe, on a une clé, une batterie, une pile, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça, donc ça va nous aider avec les liqueurs. Ça, on n'a plus de couteau. Assez dans tous les sens. Jamais. Ça lui venait. Ça lui donnait l'envie de se lever. Moi. Oh, alors, donc maintenant il va falloir reprendre le fil du jeu qu'on l'avait laissé. On va faire péter le pain de C4 en haut. Pain de TNT plutôt, ce mot. Bon, j'espère que j'ai toujours pas de compagnie là-haut parce que ça me ferait pas chier. D'avoir de la compagnie. Ah,
Donc, pour info, on a croisé notre premier liqueur. Qui nous a bien fait flipper. Alors attends, peut-être que combiner ça avec les piles. Oh, bingo! Eh putain, je me savais pas à quoi ça servait ma pile. Cassons-nous! Un drôle de bruit. Ok, il y a quelque chose là-dedans. Tête. J'aime pas ça. C'est quoi ça? Oh, et d'accord, il y a un zombie. Et pour l'instant, on s'en occupera après. Alors, donc là, c'est sur la statue. Donc, c'est la salle, l'arc et le serpent. Alors. C'est ça, l'arc. Où est le truc? Serpent. Ça. Bingo. Putain, j'ai pas d'herbe, j'ai rien. Ah, j'ai cru que ces conneries. Casse. Ce con. Taillé. Un liqueur de merde.
C'est là. C'est pas là. Et j'ai rien pour me soigner. Ah, bordel de merde. J'ai réussi à me casser. Ah, j'ai morflé. Ça. C'est bien beau parce que ils te disent pas. C'est une arme secondaire, donc je pense que ça doit avoir la même fonction que le couteau. Bon, du coup. Ah, c'est mieux là, quand même. Dans la terre, donc qu'est-ce que je vais pouvoir me servir, moi? Ah, ouvrir. Ok, bon, on va pouvoir ouvrir. On va pouvoir faire une petite sauvegarde. Tire de merde. Putain. So it goes underground. Huh. That's it. That's our way out. Lieutenant Brenna! Marvin! Marvin! Kenny. It's time to go. Marvin. We need to get you to a hospital right now. No, no, I... Save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together. Just gonna... It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Go! Just go! I understand. Ouais, mets ta main dessus, peut-être que ça s'élira moins. I won't let you down, Marvin. Limite, limite, c'est grand ouvert le bordel. Salut frérot.
enfin, retrouver de nouveau une vanne. Allez, hop, on va faire un mix. On fait 5 d'astus. Alors que je trouve. Qu'est-ce qui a fait ce bruit là? Et ça va pas être cool, je sais. Oh, c'est pas l'idée. C'est pas une bonne idée. C'est putain de pas une bonne idée. Putain. En plus il court.
Bon. Somebody's watching me. On peut faire le tour, vérifier ce qui nous manque. Oh putain, une sacoche. Yes. Damn. Need a key card. Stay sharp. Lower it. FBI. Sorry. Thank you for your help. Surprised you made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry,
That information's classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Hey! I'm not done talking to you! C'est dans le chenil. Mais ça, après qu'il me tombe sur l'orable. Bon, tu sens qu'il y a un truc qui va te sortir de là. Toi. Sérieux là? On peut crever le mec. What the?
activé. Bon, on va continuer d'explorer les couverts. Salut Chris. Stand de tir pour ça. Alors, clé du véhicule. Ah, bien. Parfait. Quelque chose dans une bagnole. Oh putain, elle est pas, je l'ai pas flingué quoi. On est sûr là. Ça... Bah oui, ça va toi. T'es venu voir ce que ça valait à Resident Evil le remake.
Pour un stand de tir, j'aurais espéré trouver des munitions par exemple. C'est pas mal. Tu m'étonnes qu'il va t'intéresser, mon vieux. Il est carrément bonheur. Hein. Oh putain, c'est tout ce qui me reste en munitions. Sérieux? Shooter sur les zombies comme ça à terre. En premier, ça y est, c'est fait. Je suis déjà tombé dessus sur les liqueurs. Je suis tombé sur mon premier liqueur, sur mes deux premiers liqueurs. La galère, j'en ai eu un. Le deuxième, j'ai préféré me barrer. Là, tu vois, là, tu te dis, tiens, tu peux pas rentrer dans les prisons, enfin, dans les, ouais, c'est ça. Et comme par hasard, tu vas te retrouver à un moment donné, tout va être ouvert. Plus que 21 balles, j'ai intérêt à faire gaffe. Oh, hello? Hey, I don't believe it. A real human. Hello, human. You been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No, no, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Ouais, c'est ce qui fait le charme de ce genre de jeu. Somebody's dinner by now. Munitions. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. Après, maintenant, les zombies, tu mets quand même facile 5 balles dans la tête pour qu'ils tombent, quoi. Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. We're both prisoners in the station. So either we play nice and help each other out. Shit. It's coming. What? What's coming? Come on. Come on, don't be an asshole. Hey, you need this. Just get me the fuck out of here. Oh my god. All right.
Who is that? It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Well, I guess the deal's on. En tout cas, techniquement, il est propre. Il est franchement très propre. Enfin, une manivelle. Qu'est-ce... Moi, j'ai rien. Ouais, j'ai que dalle. Ouais, bah hein, c'est quoi, on va éviter. Je suis sûr que dès que tu fais ça, tu vas lâcher tous les zombies du coin. Pas le choix. Il y aura pas un truc que j'aurais loupé, moi. Des munitions, par exemple. Bah tu vois, regarde, il manquait le courant, donc ça a même pas marché, même pas drôle. Ah oui, c'est vrai, putain. Coffre de la bagnole. On a une clé de voiture.
J'ai récupéré une crosse à la con. J'ai chié pour avoir une clé et j'ai la crosse à la... Il n'y a pas un truc que j'ai loupé moi. Le plan. Donc je suis là. Cellule. Le terre de guerre, ça c'est ça. De toute façon, trop de manivelle. J'ai pas de manivelle. La salle de générateur est là. Donc en fait, moi, il faut que je prenne le parking, passe par là, que je trace le stand et que j'aille en face. Ok. Allez, c'est parti. Ouais, bah oui, je suis là demain. Donc, bah, à demain, mon petit. Merci d'être passé. Alors, d'après le plan, je suis là, la salle de générateur est là. Bon, je me dis pas comment je vais pouvoir y accéder. Et là, si je retourne par là, j'ai cellules, j'ai salle, et... réfléchis comment que je vais faire. C'est l'idée, j'ai pensé. Il y a un truc pas loin, j'ai passé à côté.
c'est pour aller à la morgue. Chenil, donc Nelda, tu peux pas. Là. Là, il y a un trou de manivelle, donc c'est. Ah putain, je vais trouver un trou de manivelle. Manivelle, franchement. Ça, je. Escalier. Est-ce que j'ai le père là-haut? Je suis dans le parking. C'est quoi ces conneries? Les égouts. Voilà. On va trouver une solution. Je galère depuis tout à l'heure comme un con à croire en tous les sens. Ah, enfin un coffre de rangement quoi. Mais quel couillon. Je fais mon bisbille. On rappelle même pas que j'ai une manivelle. Super. Il va falloir que je trouve de quoi pour me soigner. Là, je suis un peu dans la merde.
Donc, alors, donc je trace par là le stand de terre. Donc il faut que je passe par le chenil. Ah, c'est ça. Ok. Et... Je sens bien le truc, t'as les chiens qui vont t'attendre. J'aurais pu déposer la clé. Mais ça, il y a un chien dans le coin. On va avoir un chien bien loin. Just quit. J'aime pas ces trous comme ça là, surtout qu'avec Clébard. Thank you.
Et bien que dès que j'ai remettrai en quatre couilles. Elles sont toutes ouvertes. Cool. Comme j'ai quasiment plus de munitions, ça va être cool. La dèche au niveau munitions. Oh. Ick. On se retrouve vite un petit peu à court, hein. Thank you.
Donc là maintenant, on peut accéder.
Et bah, en tout cas, j'espère que ce petit live encore sur Resident Evil 2, la remake, t'aura plu, hein. Ouais, à certains moments, j'ai pu faire de mon froc, mais ça se passe pas trop mal. Donc voilà, bah là, je suis quand même dans une position pas super agréable, hein. Il me reste quasiment pas de vie. Ouais. Oui, c'est pas quasiment pas de vie, c'est juste qu'il reste quasiment plus de munitions. J'ai plus que 3 balles sur mon flingue. Ah, c'est pratique. Oh putain, magnifique. Alors là, laisse savoir ce que c'est que cette histoire de coffre portatif. D'accord. Ça. Ah putain, quel con. Donc, alors. Après, c'était... C'était pas celui-là. Ah putain. D'accord, ok.
Again. Ah, yes. Tiens donc. Pièce en plastique. Ah, putain. Putain de touche de moi, putain. Enfin, on va retrouver le coffre. Donc, il faut rebasculer, trouver une coffre, d'ouvrir le petit coffre machin truc là, pouvoir accéder à la petite touche qui me manquait. Au pif. Ah la gueule. De merde. Ah.
salle des opérations, les plans. Et donc, salle des quartiers. J'ai la touche 3. Voilà. Oh, on n'est jamais à l'abri de voir notre coude. Alors, il y a des munitions. Ah putain, vraiment, je chope la deuxième sacoche. Ok. Allez, c'est parti.
Voilà, dernière touche. Pour récupérer une nouvelle sacoche. Et autre. On commence à s'équiper gentiment quand même. Rien. Est-ce que je peux? Donc, vite transfert de matériel, coffre à droite, la chaleur, déplacement dans le bureau ouest. Ah, j'y suis, en face. Et j'ai le code en plus. Ces archives.
Alors gauche 9, droite 15, gauche 7. Tu parles d'une combinaison à la con, toi. Après un coffre. Là. Donc, gauche 9, droite 15 et gauche 7. Gauche 9. Droite. Donc, gauche 9. Droite 15. Et gauche 7. Oh, magnifique. Magnifique, Bobby. Qu'est-ce que c'est que cette mission? C'est le quasi 3F. Eh ben on va aller voir ça. Il y a un liqueur, ça tombe bien. Donc l'escalier, c'est là. Ken.
Alors, réfléchissons. Bon, alors on va la faire méthodiquement. Alors, L. A. L, A, A. Ryan Aaron.
C'est que je vais ici. C'est sur ça qu'on va s'arrêter. Le live va s'arrêter. Et très bonne fin de soirée. Et de gros bisous. Et puis n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la page ainsi que sur la chaîne Twitch ou Mixer, YouTube. Choisissez ce qui vous intéresse. Donc voilà. Donc en tout cas, moi je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Hey, ciao, ciao.